must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. Eh bien, salut la famille! Aujourd'hui, on se retrouve pour un Endurovlog avec le 500. Donc voilà, on était calé sur le portable en train de mettre des petites stories. Donc suivez-moi sur Instagram si c'est toujours pas le cas. Voilà, donc rupture tout simplement, tiré du bas, YT. Et voilà la famille, on est parti. Donc voilà la bête, voilà la nouvelle déco. Alors beaucoup m'ont dit manque d'originalité, c'est trop KTM, c'est trop orange. Sachez que ça c'est le kit déco enduro et sachez que je prépare actuellement la maquette pour le kit déco super mode, donc made in GL Création. Et est-ce que vous vous souvenez du kit déco du 300? Est-ce que vous vous souvenez à quel point ça vous avez surpris, pardon? Voilà, donc on va faire un truc très très sale, ma man, très très sale. Donc là je suis bien chaud, je viens de rouler pas mal là, je viens de faire du 30 km à peu près. Donc on est parti, lunettes. On fait un petit rupteur ou pas les gars, la famille? Un petit rupteur. Allez, chaud, on peut se le permettre. Oh mamacita. Wouhou. Quel monstre. Mais quel monstre. Donc j'ai jamais fait ce chemin en vlog. Je me suis dit, ils voient tout le temps les mêmes chemins. Donc aujourd'hui on inaugure. Bon, je commence à bien dompter la moto là. Je suis assez content. Enfin, je vais remettre mes lunettes. Je sais pas ce que je branle. Elles ont à peine de buée là. Ah, c'est bon, c'est parti. C'est parti. On y voit clair. Il reste un peu de glace dans les chemins. C'est un peu la misère. Mais bon. Il y a masse vent aujourd'hui. Alors, il a fait beau toute la semaine. Là, moi, je travaille pas le dimanche et le lundi. Comme par hasard. Il fait pas beau le dimanche. Et il fait pas beau le lundi. Ah là là, on a l'habitude. Hein. Oh, c'est quoi ces ornières de ce malade qu'il faut sauter là? Ah, c'est de l'ornière, ma man. Regardez, il neige. Je sais pas si ça se voit, mais il neige légèrement. C'est de la mini grêle neige. C'est what the fuck. C'est what the fuck ce temps, l'Auvergne. Qu'est-ce que c'est bien pour faire l'enduro, mais quel temps de merde. Oh là là. Excusez-moi des injures, mais c'est le cas. Hein. J'ai enlevé la stabilisation juste pour voir sincèrement la différence entre les deux avec les mêmes réglages GoPro, les mêmes réglages sur Sony Vegas Pro. Comme ça, je pourrais le fixer. Si jamais la stabilisation c'est mieux, je la laisserai tout le temps à partir de la prochaine vidéo. Si c'est moins bien, je resterai comme ça. Il y en a qui disent qu'ils aiment pas la stabilisation GoPro. Parce que l'enduro, t'as l'impression que c'est facile, t'as pas de secousse. Du coup, voilà, je sais pas, on va voir. Donc au passage, je viens de changer d'emploi et je pense vous faire une vidéo sur mon nouveau travail. Je ne l'ai pas encore dit, mais je pense que ça peut être très sympa. Ça va en surprendre, je pense. Bref, gros temps pourri. Je suis désolé, on n'aura pas une qualité GoPro de ouf avec ce peu de lumière, mais c'est pas grave. On est là pour rouler, peu importe le temps. Fais pas de chichi. Il pourrait neiger Balek. Oh là 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 là, ces chemins. Ah. Merde. Voilà pourquoi c'est dans cet état. Je vais essayer qu'il me voit. S'il me voit pas, bah. Je vais faire demi-tour. Ah, parce que là, s'il me voit pas, je vais pas passer à côté. Il risque de me percuter ou quoi. À moins que je passe par le. Ah, que je passe par le bois là-haut. Je pense que je vais faire ça. On va pas faire chier ce monsieur qui est en train de travailler. Normal quoi. Ah, il neige quoi, c'est abusé. Quel temps de merde. J'aurais dû partir plus tôt, il faisait beau tout à l'heure.
On va essayer de passer par là. Attendez, il y a un filet là, ouais. Ah non, il est tombé. Il est tombé. Oh non, il est là. Oh, quel con. Il y était bien. Il y était bien. Il y en avait un par terre et l'autre, il était en haut. Oh merde, j'ai merdé là. J'espère que j'ai rien cassé. Ah si, j'ai cassé quelque chose. J'ai cassé ce qui tient ma plaque phare. Ah, je l'ai pas vu. Il se voit pas, cela. Mais alors là, je suis en descente. C'est ça qui tient ma moto, quoi. Oh, casse les couilles. Comment je peux faire là? Mais j'ai le don de me mettre dans des situations de merde. Bon, c'est pas grave, les fixations de la plaque phare, mais ça fait chier. Oh. Heureusement, il n'y a pas le courant. Ouais, je vais faire un truc plus simple. Je vais tout simplement enlever ici. Je le remettrai après. Tac. Là, elle va tomber si je la lâche. On va tenir. Reste là, ma belle. Reste là. Oui. Voilà, tout simplement. Par contre, je suis un peu dégoûté d'avoir cassé ça. Ah, j'ai cassé les deux. Oh non. Oh, dommage. Je les ai pas cassés entièrement. On peut encore la remettre, ça va. Ça va, je pensais que c'était pire que ça. On va remettre ça parce que je respecte les agriculteurs. Et voilà. Merde. Dans la famille des tocards, je demande Repter. Allez, go remettre ça. Ça va. Ça l'a cassé. Mais pas entièrement. C'est solide. C'est bon, ça tient. Impeccable. Bon, par contre, on continue avec un temps de merde. Hein. On va pas faire demi-tour, flemme. J'espère qu'on peut descendre, sinon j'ai fait ça pour rien. Sinon j'ai fait tout ça pour rien. Ok, on peut descendre ici. En tout cas, on peut remonter. C'est pas descendre qui me fait peur. C'est plus remonter. Après, c'est qu'une clôture. Dans tous les cas, je vais pouvoir l'enlever. N'empêche que je suis bien aveugle. Avec ces lunettes, elles sont teintées. Du coup, je sais pas, le noir, ça doit atténuer. Bon, là, il n'y a pas de câble. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Bonjour. Eh ouais, frère, t'inquiète, je passe. Merci de te soucier de moi. Go dans les bois direct, du stand. Oh merde, j'ai pas réussi à gérer là. Pas grave. Donc ouais, je roule tout seul. Certains disent que c'est dangereux. Mes potes travaillent tous le lundi, malheureusement. Donc c'est pas ouf. Alors attends, si je me trompe pas, on va prendre à droite. Dans ce qu'on peut appeler un chemin. Allez, je vous essuie parce que sinon vous allez rien y voir. Oh non, c'est pas possible. Ça va être tendu. Ça passe crème. J'ai toujours pas entendu depuis que j'ai la moto le ventilateur se déclencher parce que le 500 il a le ventilateur d'origine. Et il se déclenche par une sonde dès que ça dépasse 90 degrés, je crois. Bon, on y est arrivé, on y est arrivé. Doucement mais sûrement. En fait, ce 500, j'ai remarqué qu'il fatiguait parce que je ne suis pas habitué aux 4 temps. Très sincèrement, je pouvais faire de mon 300 bien une heure de roulant. J'avais pas du tout mal. Ah, c'est voir ici. J'avais pas du tout mal au bras. Mais là, ce que je suis pas habitué, c'est le frein moteur. Et surtout, ça tracte à tous les rapports et à tout le nombre de tours en fait. Ça tracte tout le temps. C'est un tracteur quoi. Enfin,
Du coup, vos bras ils prennent cher en permanence. Sauf en descente, comme là par exemple, où j'étais en train de débrayer. Brum. Quand je suis tout seul comme ça, je roule pas comme un marteau. Parce qu'il suffit que tu tombes dans un trou. Et mec, t'auras personne pour venir t'aider. Même que tu te fasses mal, tu tombes, tu te casses un bras. T'auras personne pour venir t'aider. Surtout qu'ici on est en Auvergne, mon gars, on n'est pas à Paris. Le réseau il se fait rare dans les trous comme ça. Il se fait très très rare ce réseau. Du coup, je roule tranquillement. Ah là 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 là. C'est pas possible. Hein. Cette pluie, mais cette pluie. Oh putain ma mère. En tout cas, les chemins sont très jolis vers ici. C'est juste dommage qu'on ait eu un temps plein de faveurs. Là, c'est à droite, si je ne m'abuse. Ah, c'est le tracteur en fait. Là, je peux passer une vitesse. Je peux passer une vitesse. Je peux repasser une. En fait, ça traque tout le temps. Surtout, c'est un peu l'abus, tu vois. L'abus du couple. Arrête pas mon kit déco, toi. Arrête pas mon kit déco. Descends, descends, descends. Ouais, je préfère. Ouais, 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 ouais. On va se calmer, hein. Des agressions de branches comme ça, là, ça me plaît pas trop, moi. Je vais faire une grimpette et je vais vous laisser sur ça. Une grosse grimpette que je choisis avec mon 300. À gauche. À droite. Ce genre de bled paumé m'amène. Ah, je commence à prendre la pluie. Hein. Sauf avec ma veste First Racing qui est vraiment bien étanche. Ça, c'est tip top. Le bas, il prend l'eau, mais pas le haut. Ah, ça me fouette les yeux, je peux pas rouler fort, c'est pas possible. Hein. Ça me fouette les yeux, cette grêle de mort là. La calotte qui pleut à fond. Et ma GoPro elle a pas de caisson étanche là. Fuck. GoPro Rosette Black là, on adore. On va essayer de monter là. Et après, on va en faire une autre. Celle-là est pas mal. Facile, mais bien. On va partir en deuxième, on va passer la 3, on va monter tout en troisième, je pense. Debout, 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 debout! Debout, debout, debout! Petite ornière à sauter, c'est sympa. Elle est simple mais efficace cette montée. La gueule, j'adore. Et par là-bas, c'est direction la deuxième grimpette. Qu'on y est, on y est, on y est. Si j'y arrive, c'est cool. Je pense qu'on peut accepter la troisième. Je faisais tout en deuxième avec mon 300. Là, on a quand même 200 petits chevaux. Là, on a quand même 200 petits centimètres cubes en plus. Je pense que la 3 passe. On va essayer. Je vous essuie. Et on est parti. Ça rupte. Deuxième. La deuxième, ça va être trop nerveux. Il faut vraiment que je peux essayer de partir en troisième. C'est parti. Non, je suis monté plus facile qu'avec mon 300, gars. Je suis en troisième. C'est abusé! C'est abusé, putain, merde! Je suis monté tellement facile! Oh là 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 là! Sans m'arrêter, gars! Avec le 300, je faisais au moins deux arrêts. Oh, ce couple! Woohoo!
c'est plaisant. Et petite pause avant d'entrer à la maison, mais c'est plaisant. Comme quoi les rageux en commentaire qui disent que c'est pas bien pour le hard, ça dépend, honnêtement ça dépend. On peut faire les deux avec, très sincèrement. On peut faire de la piste et je pense qu'on peut faire même de hard. Ça vient de me le prouver parce que c'est un couple phénoménal. Je suis un peu mort. j'ai pas fait de pause depuis qu'on est parti. Enfin bref, je vous laisse. Merci à tous pour le visionnage les gars. Et gardez la pêche, merci pour vos commentaires. Dites-moi vos avis en commentaire comme d'habitude, j'y tiens énormément, je lis tous vos messages. Et y'a rien qui me fait plus plaisir. Bien sûr je réponds pas à tout parce que c'est pas facile, il faudrait que j'y passe 3 jours sinon. Allez, bye bye tout le monde, je vous kiffe. Ciao.